Bonsoir les gens, bonsoir tout le monde, bienvenue, ici Jake sur Iva Sound Studio et stream de nuit, hein, il est minuit de toute façon. Retour sur Two Point Hospital, on va attaquer l'hôpital numéro 3 si je ne me trompe pas. Et il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans cet hôpital. Il y a des nouvelles choses. On va voir ça ensemble. J'en dis pas plus, pour le moment je n'en dis pas plus, on va voir ça ensemble. La dernière fois, on avait fait Lower Bullocks et on avait beaucoup d'argent. Argent qui restera à Lower Bullocks parce qu'on ne peut pas les transférer. J'en avais parlé la dernière fois. Donc, direction... on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Ouh, petit lag. Direction Floatering. Et... Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On va former notre personnel dès maintenant. On va avoir des salles de formation pour dire au personnel d'aller apprendre telle ou telle compétence et ça va être très très utile. Mais ça veut dire que le personnel va nous demander de l'argent. Et oui, qui dit formation dit promotion. Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit là, hein. De toute façon, il faut former le personnel et les promouvoir. Et ils vont exiger une augmentation, c'est quasi systématique. Mais avant ça, il faut obtenir la licence de formation par le ministère de la Santé. Bon, alors, pause de suite. Voyons voir un peu cet hôpital. Il est tout petit. Enfin, en vrai, il n'est pas si petit que ça par rapport aux autres qu'on a déjà eu. On a des terrains sur les côtés. Terrain 3, 40 000. Terrain 5, 50 000. 50 000 pour le terrain 2 aussi. Et 40 000 pour le terrain 4. Bon, ça a l'air d'être des terrains symétriques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour avoir la licence de formation? Même pas la première étoile. D'abord, la licence de formation. Il va falloir faire passer l'hôpital au niveau 4. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Il va falloir 7 membres du personnel et un moral du personnel d'au moins 55%. Normalement, ça va, normalement. On commence par la réception, par faire une réception. Et les réceptions, c'est dans éléments pour le moment. Attendez. Est-ce que j'anticipe une triple réception? Juste, je vais en mettre qu'une seule, mais est-ce que par la suite... Voilà, parce que je me dis, par la suite... On peut tenter de faire un truc comme ça là. Un peu comme ça. Il va y avoir beaucoup de patients. Hein. On a un peu d'argent. En vrai, je le fais quand même. Voilà. Je vais mettre qu'un seul personnel, mais il y aura ça déjà de fait. Donc là, ça va être une salle. En vrai, on peut même mettre une salle de généraliste là. Je m'étais dit, on va faire. Un petit hall d'accueil, mais on va vite avoir besoin des généralistes. J'ai toujours pas des choses ici que je voulais. Ah si, les WC, tiens donc. On va commencer par mettre des WC. On peut dézoomer. Peut-on dézoomer, s'il vous plaît? Mouais. Si je mets les WC là, le problème, c'est que sur les côtés... Je ne vais pas pouvoir faire les salles que je voudrais. Ou alors, ça voudrait dire, si je mets les WC là, je peux mettre 1, 2, 3, 1, 2. Ça m'embête. Les WC sont pas bien placés. Non, les WC ne sont pas bien placés. Ou alors, c'est qu'ils sont trop grands. Mais j'ai besoin d'avoir des WC, des grands WC, quoi. J'ai quand même besoin d'avoir des grands WC. Je réfléchis. Ou alors je mets les WC ici. Et dans ce cas, je fais attention aux salles sur les côtés. C'est pas bien de mettre les WC là comme ça, c'est pas ouf, hein. Et en plus, il faudrait plus faire comme ça
pour qu'il y ait l'espace pour que les patients et le personnel puissent aller aux toilettes. Bon, je les mets là pour le moment, ça risque d'être déplacé de toute façon. Ouais. Bon, ensuite, une salle de généraliste. De toute manière, ça, j'ai pas le modèle que je veux pour le moment. Je suis obligé de la construire de toutes pièces. 3, 4. C'est déjà serré, hein. Tac. Très vite, on sait qu'il faut des salles de niveau 4. On va essayer de faire ça proprement. Une armoire à pharmacie, pourquoi pas. Ça augmentera le potentiel de soins. La table, oh la petite table, très jolie, mais on s'en fiche. On va faire une petite balance. J'y arrive. On va faire un golf. Sérieusement, je mets du golf dans toutes les salles. C'est tentant en vrai. Mettre de l'eau, ils ont soif. On va y mettre du café. On va y mettre du gel hydroalcoolique. Voilà, on est niveau 3. On va y mettre une bibliothèque. La bibliothèque qui va gêner, donc on va la mettre là. On va y mettre quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Un gramophone, tiens. On va y mettre un gramophone. Pour détendre tout le monde. Et là, on sait qu'on commence à avoir un souci de place. On va y mettre un tapis. Le tapis, c'est du sol, ça va. On est 3,5. C'est presque ça. Niveau 3,5. Et là, il va falloir compenser avec des posters sur les murs partout. On va y mettre... Je sais pas qu'est-ce qui rapporte le plus en niveau là-dedans. Un poster là. Un là. Un là, on est presque bon. 3. Ah mince, encore un. Je peux pas en mettre autre chose. Un portrait de chien qui prend beaucoup de place. Ah bah ça ouais, donc c'est pas là apparemment. Les canards peut-être. Ah les canards ça fonctionne. Parfait, ben voilà. Niveau 4, j'ai ma salle de généraliste niveau 4. Très bien. Copier. On va mettre une deuxième ici. Maintenant on va y mettre des bancs. D'abord le manger. D'abord le manger. Et le boire. Le manger. La poubelle. Voilà, et là les bancs. Je peux pas mettre ça comme j'ai envie. Bon, c'est pas très très optimisé hein, niveau place là. C'est pas ouf. Hein. Mais bon, on fait comme on peut. J'ai presque envie. En face de la poubelle, ça va être dégueulasse. Non, je vais gêner ici, je vais gêner. Je laisse comme ça. Pour le moment, je fais ça. Bon, il faut recruter. Docteur. Non, ça c'est nul. C'est pas mal ça. Ça aussi, c'est pas mal. Allez, deux docteurs, parfait. Un. Deux. Ensuite, réception. C'est pas mal, ça. Allez, ça, ça coûte cher, mais c'est... Voilà, ensuite. Maintenance. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Bon, les agents de maintenance, on va attendre. Côté infirmerie. Très... Ouais, il va falloir 2-3 infirmiers. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Allez, on prend. Ça, c'est nul.
nul, c'est nul. Ok. Maintenant, on va faire des salles de diagnostic. Ah, il y a la psy qui compte en, diagnostic. Ah. On verra plus tard, ça. D'abord le diagnostic général. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, je vais peut-être bouger une réception parce que là, en termes de place, c'est pas ouf du tout. Mais genre du tout. Ensuite, on y met de l'eau. Ah oui, extincteur ici. Extincteur ici, c'est important. Il y a une machine. Le gel hydroalcoolique. La machine à café. On n'est pas encore de niveau 3. Ça, j'ai pas la place. Et là, là encore une fois, à part les posters, je ne sais pas quoi faire. Donc, les posters. Voilà. On laisse comme ça. Et s'il faut aller au niveau 4 plus tard, si c'est demandé dans des missions, on ira chercher le niveau 4 avec des posters. Allez, une autre salle de diagnostic. Et là, on met des bancs. Voilà, ça paraît pas mal. Pour l'instant, on fait ça. Là, par contre, j'ai mes trucs ici. On va faire ça comme ça. On va faire ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai une impression de gain de place. Là, en vrai, ça gêne quand même. Voilà. C'est pas très symétrique, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai l'impression qu'il y a un gain de place. Bon. On est presque au niveau 4 de l'hôpital. On sait qu'il va y avoir... Oh, il y a un bel emplacement de salle commune, là. Ici. Et l'autre côté aussi, d'ailleurs. On va la faire là, la salle commune. Une belle salle commune, ici. Je peux pas faire celle que j'ai envie. Donc, va falloir la faire en entier. On va mettre l'entrée ici, là. On va y arriver, oui. Bon. Ah, j'ai pas... On va mettre les lits en premier. Voilà. Que 4 lits. Ça va être une salle commune très moche, hein. Je préviens. Ensuite, moniteur mural pour augmenter les chiffres, les bons chiffres de diagnostic. Cette salle est vraiment moche, hein. Je voudrais mettre une balance quelque part aussi. L'eau de pluie... Allez, entre deux lits. C'est affreux. Y a pas besoin de d'extincteur. Peut-être du café. Vous voulez du café, les patients? Tenez. Voilà, les patients, servez-vous du café. Niveau 3, presque et demi. Allez, ça c'est fait. Ensuite, on va faire des pharmacies. Tac.
une armoire à pharmacie, un classeur, de l'eau, des extincteurs parce qu'il y a une machine, le gel hydro, le café. J'aimerais bien monter niveau 3 quand même. Oh mais attendez, il y a des choses là. Et on a 1300 kudosh. Il n'y a pas des choses intéressantes. Il n'y a pas des choses à zéro. Il y a beaucoup de tableaux et une horloge. L'horloge, je pourrais la prendre en vrai. Ça peut être utile. Une porte dimensionnelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. On repart du début de cette chose-là. L'incinérateur, c'est pratique parce que... Alors, ça coûte très cher. Mais ça augmente un peu la température de l'hôpital. Et en plus, il n'y a plus besoin de... vider la poubelle. On va prendre du chocolat chaud, j'avais dû le rouler l'autre fois. Des bonbons. Une plante carnivore. Le squelette, oui, bien sûr. Ça bof. Même si, bon. À vitesse de formation plus 1. Ah. Bon, on prend. Placard, aquarium, et là on commence à être dans le rouge. Un frigo pour une salle de repos. Une pompe à rire, c'est rigolo. Ça coûte cher. Et là il y a tout ce qui est, tout ce qui est lié aux posters. Là. Allez. Les posters, il faut, avoir de la diversité quand même. Pixelite. On n'a plus rien. Bon, il manquera 1, 2, 3, 4, 5, 5 posters de, maladie et les chats. Voilà. Bon, c'est pas... Non, elle est bien la salle. Là. Enfin, elle est bien. Elle est en, niveau 2, elle n'est pas encore niveau 3. Elle a commencé à être sympa la salle. Qu'est-ce qu'on y met? Des posters? Une horloge? Mettre des posters. Ah, la salle est passée niveau 3, parfait. Ensuite, copier. Voilà. On met des bancs de nouveau. Comment faire un truc joli ici, sachant que c'est un peu le bordel. Ah, c'est le bordel, il manque de place surtout. Ça me paraît pas mal là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des bancs pour 8 personnes, c'est pas mal ça. Allez, on met même celui-là ici. Voilà. Et là, on va y mettre de, quoi boire et manger. Des carottes. Et de l'eau. Voilà. Une petite poubelle quelque part, je sais pas. Voilà, ici. Ok. Maintenant, on appuie sur play. Et on a... il manque que à embaucher 2 personnes et j'ai la licence de formation. Donc, on va se mettre ici. Et on attend. Quoique, il y a 15 jours encore. Ah oui, donc 3 trucs de réception, tu peux, au lieu de mettre sur le plus proche, tu te mets là, toi. D'accord. Très bien.
Ah, premier patient. Oh, il coûte très très cher. Mais il est intéressant. Voilà. Il va... Ah, qu'est-ce qu'on me dit ? Salle commune. Oui, vas-y. Alors, infirmier. Bout en train. Allez, on prend. La licence de formation. Génial. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Faites attention aux clowns. Il va falloir une salle spécifique. Alors attendez. Il nous faut une salle de formation. Maintenant, on peut construire la salle de formation. Elle est là. Est-ce que je peux en mettre une que j'ai déjà ou pas ? Non, évidemment. Donc il va falloir la construire. Ça a lagué. La salle de formation, temporairement, on va la mettre là. Mais vraiment temporairement. Parce qu'elle, on la mettra plus tard dans une autre salle. Voilà, en général, j'en mets jamais plus de 3. Le modèle. Et il n'y a pas les autres bibliothèques ici, elles y sont pas. Flûte. Flûte. Bon, ben pour l'instant, on va la laisser comme ça, cette salle de formation. Elle est très bien. Voilà. Formation. Alors, comment ça fonctionne ? On appuie sur le pupitre. Mais avant ça... Alors, pharmacie, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Clinique du rire. On attend. Alors. Je pourrais former des gens en psychiatrie, en diagnostic, en maintenance, en mécanique... En médecine générale, en traitement. Traitement, c'est pas mal ça. Ça coûte un peu cher, mais on va le faire sur un docteur. Et après, ça sera... Alors, ça coûte en frais quand on n'a pas la compétence déjà dans le personnel. Une fois que le personnel a la compétence, ce personnel peut former les autres personnels. Et ça, c'est intéressant. Mon clinique du rire. Je peux pas la faire. Je n'ai pas accès là, à la clinique du rire encore, mince. Il va falloir patienter. J'espère que mon patient de clown va rester le temps qu'il faudra, parce que ça, c'est le compteur qui lui reste, hein. Clairement. Vite. Enfin, vite, non, toi pas vite, et toi vite. Ok. Normalement. Alors, former 3 membres du. Alors, pour la première étoile, pause. Pour la première étoile, former 3 membres du personnel et donner une promotion. Bon, ça va se faire tout seul. Est-ce que maintenant j'ai la salle du clown ? Ah, parfait. Est-ce que j'en ai une de prête ?
Non. Faut la faire de toutes pièces. Ça m'embête. Ça prend de la place. Je la bougerai plus tard. C'est pas grave. 5 heures, comme d'hab. Voilà. Hydroalcoolique. Le café. On va même y mettre du chocolat chaud. Ça détendra tout le monde. Voilà, c'est niveau 3. Parfait, on pose. Quelques bancs. Voilà. Play. Alors, c'est qui gérait ? C'est par des... qui, la clinique ? Un infirmier, d'accord. J'ai combien d'infirmiers ? Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on me dit ? Une psychiatrie. Allez, on va faire une psychiatrie. Est-ce que j'en ai une de prête ? Non. Donc, on va construire une psychiatrie. Je vais y arriver, oui. Phase des toilettes. Très glamour. On va y mettre une cheminée, des bibliothèques, une lampe, une armoire, un classeur, de l'eau. Du gel hydro, du café, du chocolat, si j'y arrive. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, elle est moche, mais ça ira. On va y mettre des bancs. Voilà. Est-ce que dans mon personnel, j'ai un psy ? Non, personne n'est psy. Ok, bon, je sais qu'il faut que je recrute un infirmier et un docteur pour le moment. Ah, voilà du psy. Oh, non. Oui. Tac. Et infirmier. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Guérissez. Ah, petite urgence, pharmacie. Oui, on prend. D'argent, j'ai plus un rond. Ah, il commence à y avoir des monobêtes. Je vais avoir besoin d'argent là. Je vais avoir besoin d'agents de maintenance et d'argent tout court. Où est mon... Ah, il est là. D'accord. Oui, il n'y a pas de salle de... Ouais, bon. Et il va falloir un... Quelqu'un à l'accueil. Bon. Dans les assistants, qui coûte pas cher. Bout en train. Qui coûte pas cher. Ah, par contre, il y a un 10 000 qui est... Allez, vas-y. Voilà. Une meilleure compétence, là. Docteur ne peut pas atteindre sa destination. Ah bon? Où est-ce que c'est bloqué? Tous les chemins sont bons là. Bah oui. Bon, je ne sais pas.
là on attend. Et après on ira envoyer des gens en formation. L'argent revient un peu. Un peu. Qu'est-ce qu'on me dit? Un labo marmiton. J'ai plus de place. Hein. Ah non, le décès. Bon, ben 2 sur 4 sur l'urgence. Bien. Alors, pause. J'ai besoin d'une salle qui va prendre un peu de place. Pas énormément, mais un peu. Et j'ai plus... Soit je bouge des choses, je fais vraiment du Tetris. Et en vrai, la salle pourrait rentrer là. Mais ça veut dire qu'il y aura juste un passage ici, là. C'est une salle 3x3. Soit... Allez, bah... 40 000... Non, 30 000. Voilà, 30 000. Voyons comme ça pour le moment. Et on va mettre des... Et on va bouger des choses. Et on va bouger des choses, ça sera beaucoup mieux. Je crois que j'ai rasé une résidence. Et des ruines. Un VIP qui arrive, très bien. Okay. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, ça c'est fait. Marmitette. Ah ouh. Ok, j'ai plein de choses à construire. Alors. J'ai. Le marmiton, mais là il me manque des choses. Et la clinique de... Je sais plus quoi, là. Ça. Non, attendez. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Marmiton, c'est du 4x4. On va la mettre là. Alors, on va y mettre de l'eau. Deux extincteurs. On va y mettre du gel hydro. Du café. Du chocolat. Voilà, niveau 3. Ensuite, en face. La clinique sup... J'ai plus l'argent. J'ai plus d'argent. Bon, on va mettre au moins les bancs. Et on va bouger ça. Parce que ça, ça me dérange que ce soit là en vrai. Y a personne dedans. Hein. Et on va la mettre ici. On va chercher les bancs d'ici. Mal mis. Ok. Et on va prendre. Ah, il y a quelqu'un dedans. J'aurais bien voulu le déplacer, ça en fait. Bon, on va attendre que la consultation ici se termine. Et on va déplacer ça. On va la bouger un tout petit peu. Et ici, il y aura une autre grande salle de 4 pour des choses comme ça là. Allez, go. Ça sera le bâtiment des choses avec plein de machines. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh, punaise. Faut que je forme des gens. Hein. Ah, consultation, c'est fait. Il y a encore des gens qui y rentrent ou pas? Oui. Bon, faut former des gens. On va en profiter durant... Tant qu'il n'y a pas énormément de monde, on va former des gens. On va s'auto-former peut-être.
la capture de fantôme, ça fait, voilà, ça me fera deux gens de former. Ok. Je le fais maintenant, sinon je pourrais jamais le faire. Voilà. Tac. Tac. Et là, on va mettre du manger, du divertissement, mais après. Déjà, les bancs des WC, on les enlève parce que c'est pas ouf. Il y a une formation de terminée, parfait. On va former d'autres gens. On va former en psychiatrie 2. Toi. Éradiquer des monobêtes. Ah, les monobêtes. Bah, elles sont où? Ah, il y en a une. Et d'une. Et de deux. En vrai, j'ai pas énormément de quoi sur les monobêtes là. Là, j'en ai vu une. Et deux, trois. Là, ici. Et de 4. Plus qu'une. Qu'est-ce qu'on me dit? Félicitations, un incroyable parfait. Un incroyable parfait. Pff, un incroyable hôpital parfait, plutôt, oui. Je sais que j'ai besoin de médecins en... Enfin, de faire des salles de généraliste, ça va vite 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 être le bordel. C'est déjà le bordel en vrai. Bon, les monobêtes là, il m'en manque une. Ah, là voilà. Elle est sur l'autre. Punaise, elle est où? Elle est où? Derrière la poubelle? Et voilà, et de 5. Il n'y a pas qu'à pas sur mon écran. Bon, formation du personnel. Il me manque encore quelqu'un à former. Merci pour le follow, Tracker Ruben. Merci. C'est gentil. Robert ne dit plus les follow, tiens, c'est bizarre ça. Faudra que Robert annonce les follow sur le chat. Gestion des salles communes 2, on va y mettre. Ah, on va y mettre toi. Et là, j'aurai formé tous mes membres du personnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Pharmacie urgence, go. Regarde l'état des machines, ça a l'air d'aller. Et ici. Bon, il me faut recruter de la maintenance. Donc toi t'es nul. Toi t'es pas mal toi, tiens. Il me faut du médecin. Ah, y a pas ouf là dans les médecins. Hein. Nul. 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 Côté infirmerie. Non. Peut-être. Peut-être. Alors là, ça, c'est rigolo, ça. Elle fait mourir d'ennui les gens, mais par contre, elle motive quand même les gens. C'est très contradictoire. Donc, nul. Côté infirmerie, il va falloir des gens bientôt. Hein.
J'ai pris un médecin là ? Je m'en souviens pas. Non. Non, il y a personne, hein, les médecins. Et il va y avoir la fin de la première année. Première année. Les prix de cette année, médecin de l'année, infirmier de l'année, étoile montante, employeur de l'année, hôpital le plus prestigieux. Côté pédagogique, c'est pas encore, parce que j'ai pas formé énormément de monde. Choix des patients, oui, bon, je manque de divertissement, de jolies choses dans l'hôpital. Bon, zéro mort, malheureusement, c'est raté, hein. Y a déjà des gens qui sont décédés. Côté valeur de l'hôpital, on est déjà un peu plus de 300 000. Pour une première année, c'est pas mal. Bénéfice annuel, 69 257. Ouais. Taux de guérison 79%. Guérison par an 27. Ça, bon, c'est la première année. Réputation 74%. Ça va. Et morale du personnel à 65%. Bon, bah, c'est un chiffre assez basique. Hein, 65% pour le moral du personnel. Bon. Allez, go la sauvegarde. Bon, j'ai besoin de médecins généralistes partout. Tout simplement. J'ai besoin de beaucoup de médecins généralistes. Je réfléchis. Si j'en mets un là, ça va me gêner. Mais je peux en mettre un ici. Et je peux en mettre un ici. Et je peux recruter peut-être des gens. Peut-être. Non. Non, toi t'es nul. Toi t'es chouette. T'as plein de compétences toi. Mais tu coûtes cher. C'est pas grave. Ah, il y a eu un décès. Voilà. Pour ça, ça ira. Bon, des bancs. Parce que les gens, ils ont besoin de bancs. Je sais qu'il va me falloir très vite d'autres médecins. Je le sais. Ah, j'ai mal mis mon banc, moi, tiens. Voilà. Mais... mais c'est pas possible. Ah, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Tu veux une promotion? Voilà. C'est nul. 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 Pourquoi pas? Et ça, on verra plus tard. C'est le bordel chez les agents, là, ou pas? De réception. Non, ça va. 3 sur 4 patients guéris concernant l'urgence précédente. Ça m'embête un peu de rater des patients sur les pharmacies quand même. Donner... ah, mission spéciale. Enfin, donner des promotions personnelles. Tiens donc. Hop là, petite promotion. Ah, il me demande beaucoup lui. Ou elle. Il. Lui. Allez, première étoile. Félicitations, vous commencez à savoir ce que vous faites. Tout porte à penser que vous pourriez faire progresser vos employés. Voilà qui est terriblement prometteur, enfin terrible tout court surtout. Vous pouvez rester ici ou alors aller vers un autre hôpital. Bon, comme d'hab, hein, je reste ici, hein, je veux mes 3 étoiles. Je vais gagner 10 000 dollars et 100 kudosh. Et ça débloquera par la suite 2 hôpitaux, il faudra faire un choix pour les prochaines fois. Je peux débloquer une salle de réception et non plus un banc, enfin un truc de réception là. En vrai, je sais pas si c'est intéressant ou pas. Et un poster de clown. Ok. Je vous montre juste. Voilà. Ils mettent réception débloquée. Ça, c'est une réception. Mais c'est un item. C'est juste un item qui coûte 1000. Là, par exemple, en termes d'item, j'ai 3000 de réception. Je vous montre un exemple ici. Ça va être remboursé de toute façon. Est-ce que je peux. Je l'ai là ou pas? Non, je l'ai pas. Faut que je la reconstruise de toutes parts. Elle est ici. Réception, voilà. Taille minimale, 2 par 3. Voilà. Sauf que là, je peux mettre peut-être 2 agents, quoi. Et c'est pas ouf. Bon, enfin, faut vous dire que ça... Faut imaginer ça en plein milieu de la pièce. Enfin, du bâtiment. Et là, je mets, pour pas... un peu moins cher, je mets 3 personnes. Mais, ça c'est un mais. Ça veut dire qu'il y a besoin d'augmenter le niveau de cette pseudo-pièce. Et là, ça restera niveau 1. Avec cette taille-là, je peux pas augmenter. Je peux pas mettre 50 plantes, je peux pas mettre de poster. Je vous montre directement en plein milieu, ce sera plus agréable.
réception. Voilà. Disons qu'on me fait une réception gigantesque. Voilà, ici. Ben là, je peux mettre un agent, deux agents, des agents d'accueil, bien sûr, j'entends. J'y arrive pas, le dernier. Bon, le dernier, j'y arrive pas. Disons qu'on les met en face, là. Voilà, ça fait trois. Voilà. Disons que là, il y a six agents. Bon, sept. Voilà, là, il y a sept... J'ai sept agents d'accueil ici. Et après, on peut décorer comme on veut. Hein. Voilà, des mini-classeurs. Les mini-classeurs, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se glisser en dessous. Mais pas sous ici, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est toujours niveau 1. Hop là, voilà. Là, je passe niveau 2. Idéalement, il faudrait être niveau 4. Imaginez ce qu'il faut faire pour être niveau 4 là-dedans. Est-ce que je peux mettre une machine à café? Non. Parce que ça voudrait dire qu'il faut faire une grande salle de réception bien épaisse pour mettre des choses en plein milieu. Et voilà, le résultat final, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pas des vrais murs, quoi. Je peux pas mettre de poster, voilà. Et pour augmenter le niveau de ça, c'est chiant. Voilà, donc je supprime. Plus tard, dans un autre hôpital, on verra. Mais là, pour cet hôpital, j'ai pas envie. Faut pas le tuer sur pause, lui. Raté. Ouais, ça, c'est fait. Y a pas de WC, ici. Y a pas de WC, ici. J'ai besoin de WC. Il y a besoin de WC ici. J'ai pas de salle de repos non plus, hein. J'y pense là. Mettre des WC. Est-ce que j'en mets un autre là ici ou pas? Non. Sinon je pourrais pas mettre ce que je veux. Genre le sèche-main. Je suis que niveau 2 sur CVC, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on me dit? Nouvelle maladie. Le mime de Schrödinger, c'est de la psychiatrie, ça. Il va me falloir des nouvelles salles de psychiatrie. Je n'en ai qu'une. Oh punaise, pardon. C'est le bordel en psychiatrie, j'ai besoin d'un nouveau bâtiment. Il faut que je forme des gens. J'ai une requête de personnel, moi, j'y pense, là, non? Attendez. Donner 3 promotions en pas beaucoup de temps. Faut former des gens, vite. Diagnostic, j'en ai 5. Toi, tu vas former... Ah, punaise. Tu peux former qu'un seul à la fois. Réflexion, réflexion. Pharmacie, je peux en former 2. Généraliste, il n'y en a pas vraiment de formé. Un 3 pour les pharmacies. Un 3 pour les salles communes. Et toi en pharmacie, toi. Tu vas prendre toi, toi et toi. J'ai plus d'infirmiers disponibles. J'en ai plus du tout. Qu'est-ce qu'on me dit? Le VIP, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il va bientôt arriver, d'accord. Il reste combien de temps, toi? 4. Ok. J'ai besoin de psy. Par contre, j'ai pas énormément de personnel formé en psychiatrie. Il va falloir s'en occuper de ça. On va faire ça, copier, on va faire, pas ça, on va faire ça, on va faire ça, on va mettre des bancs, j'ai plus d'argent du tout, je suis ruiné. Ça ira. Et en termes de médecin, est-ce que dans mon personnel, il y en a beaucoup en psychiatrie? J'ai 2 personnes formées en psychiatrie. Il va falloir que je forme les autres et que je recrute, par contre. Ça va me coûter cher. Toi, t'es nul. Toi, t'es pas mal, toi.
Toi t'es nul. Toi t'es nul. Et à la limite, je bougerais presque même cette salle-là. J'ai presque envie de la bouger pour la mettre par là, là. Et comme ça, ici, je ferai une salle de repos qui n'existe pas encore. J'ai besoin d'une salle de repos pour mon personnel. Hein. En vrai, attendez. Il n'y a personne. Hop là. On en profite. Vu qu'il n'y a personne. Voilà. Ici, c'est les psys. Je suis dans le rouge. Je suis grave dans le rouge. Ah, il vient de laisser sous mes yeux, là. Ah, il cherche les toilettes. Faudra que je mette des toilettes dans ce nouveau bâtiment aussi, hein. Pause. Trop tard, punaise. Je voulais profiter de la fin du mois pour recruter des gens. Il est pas aligné, non ? Si, c'est bon, il est aligné. Ok, recrutement. De doc, il y a personne. Il y a plus les psys. Ah ! Lui, il est nul. Toi, oui. C'est intéressant. Bon, j'ai besoin de former des psys. Ce sera pas suffisant. Qu'est-ce qu'on me dit dans mes requêtes ? Donner une promotion. Ouais. Et former des gens. Donner une promotion à des gens. L'hôpital de niveau 9, c'est fait. Et le VIP qui est déjà... Je l'ai même pas vu arriver, dis donc. Et guérissez 10 patients. Bon, croisons les doigts. Mets tes toilettes là-bas. Ah, punaise, ils ont soif. Ils ont soif. On va leur donner de l'eau et des carottes, hein, parce que... Sinon, ça va être le bordel. De l'eau et des carottes... On bougera peut-être ça. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, une promo. Guérissez en urgence 4 patients en pharmacie. Ça devrait bien se passer. Enfin, je dis ça, mais tout l'autre fois, il y a eu 2 sur 4. J'ai vraiment besoin de psy. Hein. On devrait. Ils fatiguent facilement, ils sont nuls. Donner une promotion. Oh, raté. Tant pis. Non, j'ai apparu. Ah, il est bien, lui. Parfait. Côté infirmerie, parce que bon, c'est bien beau de recruter des gens, mais j'ai que 5 infirmiers pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 salles d'infirmerie. J'ai besoin d'infirmiers quand même. Nul. Nul. Pas mal. Mais coûte cher. Nul.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'ai guéri les 10 patients, c'est bien. Je peux faire ma salle de repos, moi, au fait, ou parce que j'y pense, là. C'est celle-là que je voulais, mais il n'y a pas tout ce que je peux pas acheter ce que je veux. Bon, on va falloir faire une nouvelle salle de repos. Enfin, une première salle de repos, surtout, parce que j'en avais pas encore. Enfin, une grande salle de repos. Alors. Je sais que mon personnel aime les canapés. On va leur mettre. Augmente le confort, augmente le confort. Mettre ce fauteuil là. On va leur mettre la télé. Le golf, on verra. On va leur mettre de quoi boire et manger. Même y mettre des bonbons, tiens. Une plante pour qu'elle prenne un peu le soleil, on la met sur la fenêtre. Le frigo, oui, c'est bien le frigo. Quoique les bonbons, on va les bouger, on va les mettre là-bas, à côté de l'eau. Le poste radio, qu'est-ce qu'on peut leur mettre d'autre? Un téléphone, une horloge pour savoir quand est-ce qu'ils reprennent le travail. Un flipper. Ouais. Un manège. Dans le manège, ça prend de la place. Des tapis. Voilà, et on est niveau 4 là, c'est bien. Salle de repos niveau 4, parfait. Par contre, j'ai juste bougé la machine à bonbons. Je vais la mettre là. Voilà, c'est bien. Petit coin kitchenette, petit coin repos. Voilà. Une belle salle de repos, ça. Play. Et là-bas, on verra. On met. Côté généraliste, attendez, parce que j'ai 4 salles de psy. Salle de généraliste, c'est la galère. Oh punaise! C'est la galère chez les généralistes là. Hein. Si j'en mets une là. Une là, une là. Je peux en mettre 3 là. Voilà. Et on recrute. Nul. Pas mal. Il y a besoin de bancs. J'aime bien mettre les bancs comme ça, l'un en face de l'autre. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? 4 sur 4 de l'urgence, parfait. Concernant la deuxième étoile, l'hôpital est au niveau 9. Former, c'est pas encore là, ouais, il va falloir me former encore des gens. Oh, trop bien, il coûte très cher, mais il est trop bien, j'achète. Capturer 3 fantômes, bon ça par contre, ça veut dire que j'ai besoin de faire mourir des patients, c'est pitié quoi. Bon, un point sur mon personnel total, j'ai 8 docteurs, 6 infirmiers, donc 8 docteurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... et 12. J'ai 8 docteurs pour 12 salles à docteurs. Concernant les infirmiers, j'ai une salle à infirmiers. 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 6 salles à infirmiers pour 6 infirmiers.
Mais je manque de médecins. Ça, clairement, je manque de médecins. Ah, la promotion. Voilà. Ensuite, on va former des gens en psy 2. Ou pas? Ils sont tous occupés ou quoi? Pas former des gens en psy 2. C'est nul. Mais j'avais dit que j'avais besoin de docteur de toute façon. Donc. Nul. Je suis en déficit. Hein. J'ai pas l'impression que les machines s'usent là. Ça me perturbe un peu. Elles s'usent mais très lentement. C'est bizarre. Ici, y a rien à boire et à manger par contre. Hein. Il faut s'en occuper. Pause. Boire et manger ici. C'est jamais une bonne chose de les mettre à l'entrée. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai pas tant de place que ça. Poubelle. Et on va mettre une poubelle par là aussi, au cas où. Voilà. Nous avons peut-être trop d'agents de maintenance, pardon. J'en ai que 3. Il y a pas mal de machines, il y a pas mal de toilettes, de trucs à réparer. J'ai que... Enfin non, j'ai pas... J'ai assez d'agents de maintenance, il y a même un mort, quoi. Par contre, côté réception, je vais peut-être enlever celle-là. J'ai l'impression qu'elle sert à rien. Voilà. Oh bah tiens, il y avait plein de bêtes. C'est la fin de la deuxième année. Et je gagne un prix en plus. Le meilleur hôpital pédagogique, parfait. Bon, la valeur de l'hôpital a bien augmenté. On s'approche du million. Bénéfice, c'est mieux que l'année d'avant. Mais par contre, attention, on a été dans le rouge cette année. Oh, j'ai pas fini. Taux de guérison 73% pour 39 guérisons. Côté réputation 87, ça a augmenté. Morale du personnel, bon, bah de 65, c'est passé à 64. Voilà. La sauvegarde. Non, mais les médecins, ils sont où en fait? Ils sont en salle de pause ou quoi? Il y a personne en salle de pause. Est-ce que je peux maintenant mettre des. Je peux former personne en psychiatrie? Ni en généraliste? On va former en mécanique 2, tant pis. Hein. On forme les agents de maintenance, s'ils s'ennuient, autant les former. Par contre, j'ai plein de monobêtes. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monobêtes. Hein. Va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ah, il arrive bientôt, d'accord. Allez, un mort. Génial. Concernant la capture de fantômes, par contre, ces requêtes-là sont un peu chiantes. Bon, déjà, lui, il est toujours là. Ces requêtes de fantômes sont chiantes parce que ça dépend pas de moi. C'est pas sur mes actions, quoi. Et il faut que mon personnel soit pas loin, en plus. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ces salles ici, en vrai.
pourrait presque faire des salles de diagnostic ici. J'ai pas fait de salle de cardio. Ça me le demande pas. J'ai pas eu d'annonce en mode faites plus de salles de diagnostic, donc notamment pour le cardio. Donc bon. Oh là, gagner 10 millions. D'accord, ça sera sur la map principale. Donner une promotion. Oui. Oui, allez. Bon, les fantômes, 1 sur 3. Hein. C'est avant d'avoir les deux autres. C'est pas prêt d'arriver. Enfin, sur le temps de donner là, les deux autres fantômes. Je vois pas comment faire. Bon, oui, la formation vient de se terminer. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mécanique? Maintenance 2? Traitement? Service à la clientèle 4, c'est pas mal ça par contre. On va y envoyer un des agents d'accueil. Allez. Urgence à la clinique du rire. Ah, pause. Urgence à la clinique du rire, on en profite, on copie. On a mis une deuxième. On met des bancs. Et comme ça, l'urgence devrait passer plus vite. Et on vendra la salle plus tard. Enfin, après l'urgence, on vend la salle. Objectif de carrière, déboucher 100 WC. Waouh, quel succès. Peut-être prendre un infirmier là, par contre. Un pas cher. Tiens. Comme ça, l'urgence passera. Défi psychiatrie 4. Ah, la psychiatrie 4, je vais y arriver. Qui est enfin demandée. On va rajouter les posters. Hop là, on va mettre partout. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Celui-là. Le fameux test de Rosarche. Il y a un truc qui doit se prononcer en K, mais je sais pas ce que c'est. Tête d'ampoule. Voilà, niveau 4, parfait. Tiens, on en met même un supplémentaire ici parce que j'ai pas réussi, tiens. Bon, ben voilà. Nickel, psychiatrie 4. C'est bien ça, on vérifie. Elle est niveau 4. Nickel, allez. Un défi. 125% de bonheur, 10K. Nickel. Voyons voir notre urgence. Ils sont pareil à arriver encore. Ils sont où d'ailleurs? Du monde au WC. Ils sont où mes urgentistes là? Ah, ils arrivent. Il y en a 8. Ouh, j'ai bien fait d'en faire 2. Capturer 3 fantômes. Oh punaise, elle a été réussie. Bah, sur le fil alors. Bon, ok. Jetons un œil aux urgences circassiennes. Ok. 2 sur 8. En vrai, c'est quand même le niveau qui a fait pop cette maladie-là. Donc je vais peut-être laisser la salle. Ça va être utile. La marmite, là, la casserole, il n'a pas énormément. Pareil, la clinique super luxe, je ne l'ai pas construite. Parce qu'on me l'a pas demandé, il n'y a pas de... On n'a pas eu le besoin de la construire vu qu'il n'y a pas eu de patient lié à cette maladie-là. La tête d'ampoule. Ah, il y a eu un échec. Je viens de voir par... Oui, voilà. D'accord. J'ai pas fait gaffe, mais il y a un infirmier qui est parti sous mes yeux. Bon, il y a un autre qui arrive apparemment. Formation terminée pour le service à la clientèle 4.
Mais il fait pas partie des urgences, lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a volé la place. Il a volé la place de l'urgence. Allez, on y croit. Allez, plus qu'un, celui à droite. Nickel. Alors, point sur les notifs. Une promotion, oui, si tu veux. Le VIP. Un hôpital horrible. Bah, le VIP précédent, il a dit que c'était chouette. Il faudrait savoir. Et enfin, 5 sur 8 des patients. Ouais, c'est pas énorme. Bon, voilà. Par contre, j'ai besoin d'un petit coup de réparation. Alors, pour l'instant, je n'augmente pas le niveau des machines. J'attends la mission qui me le demande. Mais c'est vrai qu'augmenter le niveau des machines permettrait d'augmenter le niveau de diagnostic aussi. Après, bon, j'ai pas tant de... d'échecs que ça. Par contre, le niveau des machines est en train de baisser drastiquement. Il n'y a pas de machine. Bon. Donner une promotion. Pour la deuxième étoile, il faut encore une promotion. Bon ben, soit on attend que le personnel demande la promotion. Parce que clairement, si... Attendez, on va tester un truc. Si je vais là, que je vais ici. Tout ça, c'est ceux qui disent sont mal payés. Attendez, il y en a un qui le demande la promotion. Là. Voilà. Donc je refais ce que je voulais faire. Prends un docteur mal payé là, par exemple. Lui, je lui dis tiens, ça compte pas en promotion. Punaise. Y a pas moyen de. Je suis obligé d'attendre qu'ils demandent la promotion pour la leur donner. Je ne peux pas moi leur donner manuellement. C'est dommage ça. Ou alors c'est que je ne sais pas le faire. Posséder une salle de toilette au niveau 4. Pose les toilettes. Ils sont au niveau 3. On va leur mettre des posters partout. Voilà. Ils seront cachés, que personne ne verra. Et voilà, des toilettes niveau 4. Tout simplement. Allez, c'est cadeau. Un patient est pas content. Pourquoi? Grande soif. Mais il y a de quoi boire partout. N'importe quoi. Est-ce que j'ai la place pour rajouter une salle de généraliste ici? Tac. En vrai, ouais. Ou alors je fais des jolies choses ici. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça manque de divertissement et de décoration, je reconnais. Donc on va mettre des téléphones. Les patients sont fanas du téléphone. On va leur en mettre. On va mettre des manèges aussi. Là je vais gêner les gens par contre. Mettre des téléphones ici, ici et ici. Ensuite, j'ai vu hein, la promotion qui est demandée. Il n'y a pas grand monde pour faire ce que je veux. On va mettre un téléphone là, un téléphone là. Ensuite, cabine photo. J'ai presque envie de la mettre en plein milieu.
Pour l'instant, la cabine photo, on va la mettre. Je sais pas. Je la mets là, j'en sais rien, on verra. Les chewing-gums, il y en a partout dans les WC. Les manèches, les petits manèches. Des manèges ici. Surveillance de près, bien sûr, par les agents d'accueil. Si j'y arrive. Voilà. Manège. Manège. On va de l'autre côté. Il n'y a pas énormément de place pour les manèges. Manège. Manège, voilà. Ensuite, bon, les notifs, qu'est-ce qu'on me dit? Une promotion. Et je vais avoir ma deuxième étoile. Bravo, un grand succès implique de grandes responsabilités. Tout le monde va vouloir sa part du gâteau. J'ai hâte de voir comment vous allez gérer ces employés affamés, affamés même, qui vont vous dévorer de l'intérieur comme des parasites en chaussettes. Bonne chance à tous ici, à Floatering. Je gagne une amélioration pour le déshumorificateur 2, cirque, et le fatigotron 2 pour la cardio que je n'ai pas dans cet hôpital. Bonus 20 000 $ et 150 kudosh. On continue. Nouvelle maladie, la lycanthropie. Alors la lycanthropie, c'est des loups-garous, hein, voilà, tout simplement. Grâce à la pleine lune, tout ça, blablabla. Et ça se soigne en pharmacie. On va voir si ces gens-là ressemblent à des loups-garous. Arriver, oui. Bon, pour ma troisième étoile, il faut former 10 membres du personnel. Ça ira. Pareil pour donner une promotion, ça ira. Bon, au fur et à mesure, ça sera tout seul. Faire l'hôpital, passer l'hôpital au niveau 12. On n'est pas loin. Par contre, le moral du personnel, il me le demande à 75%. Là, il y a du taf. Ça, ça veut dire faire les salles au niveau 4. Je voudrais la savoir. Les généralistes, normalement, sont tous de niveau 4. Comment je vais faire? C'est quand même beaucoup, hein, 75%. Toi, t'as une belle salle. Toi, t'es au niveau combien? 3. On va mettre des posters ici. Des posters de maladie. Et pas que, d'ailleurs. Ah. Mettre une horloge, je ne sais où. La salle est toujours pas de niveau 4? Sérieux? Oh punaise. Qu'est-ce qu'on me dit? Rire contagieux, clinique du rire, c'est là-haut. Une promotion. Mais par contre, j'aimerais vraiment augmenter le niveau de cette salle-là. Qu'est-ce que je fais? Une bibliothèque supplémentaire? Tant pis, hein. Je vais cacher des posters, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais mettre une plante. Ah, je peux pas mettre de plante là. On doit pas être loin en plus, hein, du niveau là. Et voilà, niveau 4, parfait. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Promotion. Le VIP qui va arriver. Ok. Il va falloir former des gens. Psychiatrie 3. Oui, je prends. Oh oui. Ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave. Allez, nouvelle promotion. Et ils enchaînent là. Heureusement que j'ai l'argent qui est un peu revenu. C'est pas énorme, hein, 284 000 en vrai. Bon, on revient sur la décoration et le divertissement. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose ici encore. Tac. Tac. Tac.
Non, pas tac. Ah, la troisième année. Bah, je n'ai plus l'étoile montante, je n'ai plus l'hôpital pédagogique. La valeur augmente, les bénéfices un tout petit peu augmentent. Taux de guérison, ça, je sais plus, j'ai pas, je me souviens plus du chiffre d'avant. Réputation, ça a augmenté. Et le moral du personnel est passé à 66%. Oh, mon dieu, le petit pourcent. Enfin, là, il marquait 67, pardon, mais... Gagner de l'argent, si tu veux. Bon, alors. Divertissement, on va mettre des bibliothèques. Je peux pas en mettre, là. Je peux en mettre, là, des bibliothèques. Voilà. Ici. Ici, c'est vraiment le bordel. Voilà. On sait jamais si là je mets une salle. Et on met ça. De l'autre côté. Là, il y a un petit carré pour faire des choses sympas là. Les bibliothèques, de nouveau. Voilà. La promotion. Ok. C'est pas fini. Pour la formation, c'est bon, c'est fini. Ok, allez, direct l'argent. Alors, je vais former des gens en psychiatrie. Oui. Je retourne ici. Je vais mettre une autre bibliothèque, je pense. Voilà. Ça commence à être dégueulasse là par contre. Hein, pardon, mais... Il y a des poubelles pourtant. Je manque d'agents ? Sérieux ? Allez, tiens. Maintenant, la décoration. Les choses jolies. C'est des décos, ça ? Tu peux en mettre n'importe où ? Je vais pas faire peur aux patients, quand même. J'ai besoin surtout du prestige en fait. Il n'y a pas des trucs prestige. Ça, c'est tout ce qui est lié au DLC. Ça me fait penser à un truc là. Hop, 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 pause. Attendez. Oh mon dieu, le rire 3 sur 7. Mince. Pause. Paramètres. Je viens de penser à quelque chose. Non, c'est bon. Parce que sur Prime, sur Amazon Prime, enfin Twitch Prime Gaming, on peut récupérer des petits trucs cosmétiques pour le jeu. Et en fait, je l'ai déjà fait. Je pense ne pas l'avoir fait. Bon, divertissement. Non, décoration, pardon. Qu'est-ce qu'on met en déco? Des cubes? On va partir sur des cubes. La statue, qu'est-ce que c'est? Un truc qui s'appelle la statue. Il y a beaucoup de posters que j'ai pas encore. On va peut-être acheter les posters que j'ai pas. Voilà. Et les toiles aussi au passage. Voilà. Et j'ai zéro maintenant. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on me dit? Gagner de l'argent. Je n'ai pas eu assez. Bon, tant pis. Je sais pas quoi mettre en déco. En vrai.
On va partir sur des cubes. Hein. Et là, je voulais mettre des salles. Il n'y a pas assez de choses ici pour faire des... Là, c'est grand. Faire ça, c'est pas centré par rapport à ici. Ensuite. Pas mal là. Là, c'est gros par contre. Ils sont trop petits ceux-là, non ? Un poil plus petit. Je sais pas, je vais mettre ça là, on verra. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Former des gens, d'accord. On va faire ça de suite. Le moral du personnel a chuté. C'est pas bon ça. Bon, former des gens. En psy, ça va. En diagnostic, j'ai pas énormément de gens là. Et pour augmenter le moral du personnel, d'un coup. C'est quoi tous ces médecins en urgence? J'ai pas assez de salle de généraliste. J'ai pas assez de salle de généraliste. Encore. Sérieusement. Bon bah go hein. Tant pis pour le cube. On va bouger les bancs du milieu, ne vous en faites pas. Ah, attendez, je réfléchis. Voilà. On allait bouger les bancs du milieu. Donc on bouge les bancs du milieu. Pour le mettre bah pas ici du coup, par là, je sais pas où le mettre pour le moment. Non, attendez, on va faire autre chose, on va le mettre là, voilà. Et ici on va faire des choses. Non, le personnel, le moral du personnel, hop là, tout le monde est à sa promotion, il est augmenté, voilà. Normalement le moral du personnel devrait augmenter. Oui, j'ai vu un petit pourcentage peut-être. Côté médecin. Pas mal toi. Pas mal toi aussi. Voilà. Et ici, on va mettre de quoi boire et manger. Poubelle plutôt. Et ils se jettent tous sur les distributeurs. Hein. Et franchement, les carottes, manger des carottes, les gens, quand même, ça rend aimable. Et en plus, c'est des légumes. Tenez des bonbons. Mangez des carottes, tenez des bonbons. On met du kebab aussi, tiens. N'importe quoi. Nouvelle urgence en clinique du rire. J'ai bien fait de les laisser, les cliniques du rire. Cookie. Mais j'ai pas de machine. J'ai des machines à cookies. J'ai pas de machine à cookies.
Non, j'ai pas de machine à coudre. Puis c'est pas LC. Punaise, mais j'ai encore besoin de généralistes, mais... J'ai pas à recruter 50 généralistes quand même. Bon, le moral du personnel est remonté à 67. C'est bien, 68. C'est pas mal. Il faut que je continue à former des gens. Ah, mon dos. En mécanique 2, j'ai du monde. En maintenance 2, j'ai pas grand monde. J'ai presque envie d'acheter une deuxième salle de formation. Fuite de cerveau, psychiatrie, si tu veux. Ah, alors attendez. Ça. Ça, voilà. Voilà. Ouais, on va la mettre là. Ensuite, la deuxième salle de formation. Comme ça, on va faire deux formations en même temps. On va faire du... Clientèle 5, tiens, ça me fera un succès, je crois. Ça coûte cher, par contre. Hein. Je peux pas l'envoyer ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas l'envoyer ? Ah, c'est bon. C'était un petit bug. Ok. Ça, on le met là. Ça, je sais pas où le mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Guérissez 20 patients. Ok. Moral du personnel à 76. Validez. Validez le moral du personnel. Nickel. Bon, par contre, il me reste quoi pour l'étoile ? Former. 1, 2. Je serai à 9. Il m'en manquera une. Et. Non, non, pardon. La promotion, ok. Non, il me manque pas mal de personnes à former, ok. Ok, ok. Et celle de la requête devrait être bonne. Oui, la requête est validée. Voilà. Nickel. Et là, à part guérir des patients, je sais pas quoi faire. Attends, il y a le feu ? Parce que je viens un extincteur là. Pourquoi il me met le... Ah, ici. Okay. Tac. On va réparer beaucoup de choses. Bah. Il y a un paquet de chips par terre. J'ai pas assez de poubelles ici. Ok, j'ai pas assez de poubelles. Très bien. Y arriver, oui. Trois sur sept, c'est encore un sur la clinique du rire. Hein. C'est dommage. On répare ça. Ouh, punaise. Oula, oui. Ça craint pour ce mélangeur-là. Ah! J'ai besoin de place. Bah non. Bah non, en fait. Et les lits sont vides, j'ai pas besoin de... Non, j'étais en train de dire je vais faire une deuxième salle commune, mais en fait non. Je vais pas faire une deuxième salle commune, non. Je rappelle que je peux encore acheter deux bâtiments. Hein. Ici. Et ici. Mais pour l'instant, je ne les achète pas. Il me reste deux patients à guérir pour la requête du personnel, attention. Par contre, ça craint là, côté accueil. J'ai de nouveaux besoins de l'accueil. En vrai...
voulaient mettre une salle en plein milieu, là, ce sera pas le cas. Ce sera un agent d'accueil. Désagréable, non. 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 Peut-être. Non. Allez, go. Et côté maintenance, j'en ai que 4, hein. Non. Non. Peut-être. Peut-être. Non. Je préfère celui-là. Voilà. Et les médecins, ça craint, quoi. Je vais pas faire un bâtiment avec que des médecins, encore. Il y a tellement de gens, là. J'ai besoin d'acheter un bâtiment, sérieusement? Bon, on attend la fin de cette année, là. Waouh, tous les prix! Tous, sauf le zéro mort. La valeur d'hôpital approche du million. J'ai des bénéfices annuels... pas ouf, hein. Taux de guérison de 75%, de la réputation à 89%, et le moral du personnel est redescendu à 71%. Donc ça va pas dans les 50, ça va. La sauvegarde. Et bon, ben, on va acheter... Oh non, le feu! Le feu, non. Et en plus, il y a un agent de maintenance juste là. Bon, les 20 patients, c'est fait. Oh, le feu, punaise. Bon. Faut que je rajoute un extincteur. J'aime bien avoir... Dans les salles à machine, j'aime bien, par prévention, avoir deux extincteurs. Et le moral du personnel est redescendu, pardon. Mais du coup, je n'ai plus mon truc de valider. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Pas du tout, du tout. Diagnostic, il n'y a pas grand monde, là. Médecine générale. Voilà, on va faire ça. Et bon, bah, on va acheter 50 000. Oh, il y a un trou en plein milieu. 50 000. Je préfère celui-là. Ouais, je préfère celui-là. Tout ça parce qu'ils sont... Il y a encore un souci de salaire, je suis sûr. Oh, il y en a... Vas-y, dis-moi que ce truc remonte, là. Ah non, ça rebaisse. Mince. Pourquoi? Ça bouge pas. Qu'est-ce qui fait que le personnel pourrait être content? À part que je l'augmente encore plus. Oh, il y a tellement de... J'ai besoin de médecins. J'ai tellement besoin de médecins. Bon. Alors. Je réfléchis. Vraiment, je recrute, hein. J'achète. J'achète. Non. Non. Allez, de nouveau des bancs. Morale du personnel à 75%, mais je fais ce que je peux. Combien de temps? 180 jours pour atteindre le truc. Oh là là. Nul. Maintenance announcement. Plants need water.
Il a tout le temps faim. Bon, ok, bon. J'ai besoin de toilettes. J'ai besoin d'une salle de repos ici, par contre, parce qu'elle est trop loin, là. Je vais la mettre là. Et la salle de repos. Soit je fais ça en mode dégueulasse, soit je fais... Oh non, je tiens, je vais faire ça. Et non, parce que si je veux mettre des trucs en face. Et non. Ou alors je bloque le passage. Allez. Non, je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ça a l'air. Grande soif, épuisée, aller aux toilettes. Mais il y a de quoi boire et manger partout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Sérieusement. Voilà. Psychiatrie urgence, ça va le faire tout seul. On va voir le celui d'en dessous. Nul. Bon, bah on va faire des choses pour boire et manger ici. Mais... J'ai l'impression qu'il y a un truc à péter. Ensuite, des poubelles partout. Ils sont pas capables de manger correctement. Quoi. Oui, tu veux être formé, d'accord, si tu veux. C'est un infirmier. Diagnostic, il y a du monde. Pharmacie, ça n'a pas beaucoup. Allez, pharmacie... Non, salle commune. Voilà. Et on y met tout le monde. Bon, est-ce qu'il y a un truc à péter? Parce que j'ai entendu... Il y a eu une vibration sur la manette. Je ne sais pas. Ça va pas péter. Ah, la salle commune est en PLS. Ok, on prend la salle commune. Maintenant, on va y mettre du divertissement. Donc, le téléphone. Ah, je... ah, si, si, je pouvais. Voilà. Là, on va pas y mettre grand-chose. Par contre, on va y mettre des bibliothèques. Lisez des livres, c'est bien. Me dit. Oh mince, une démission. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive dans, sur toutes mes parties. Ça. Bon, faut que je recrute de l'infirmerie. Il y en a un qui est parti, je voulais en recruter un de base. Nul. Peut-être. Nul. Nul. A peur des phoques. Allez, toi, oui.
Peut-être prendre même encore un infirmier. En vrai. Oh, l'urgence psychiatrique était pas ouf. 1 sur 4, c'est pas bon ça. J'ai 14 docteurs quoi. A peur des louches. Allez, on prend. C'est ridicule. Côté pharmacie et salle de diagnostic, ça va. Okay. Par contre, l'argent... au secours, hein, l'argent. Au secours, l'argent. Est-ce que le moral du personnel peut re-augmenter, s'il vous plaît? Ça m'arrangerait. Former le personnel, ok, promotion 9 sur 10. Niveau 12, l'hôpital c'est fait. Il manque que le moral du personnel en vrai. Il manque que le moral du personnel. Bon, on va voir les salles. Niveau 3, on va y mettre des posters. Profit 21$. Le début de la richesse, dis donc. On va mettre... Je vais pas m'embêter là par contre, je vais mettre que le même poster à chaque fois. Tant pis, ça sera pas joli, mais. En vrai, attends, on va être un peu roleplay. Si, c'est le poster de Rosa. Ok, prestige 4, nickel. On va y arriver. 4, c'est bon. Toi, t'étais déjà 4. C'est la PLS chez les psys aussi. Hein. On va avoir plus de salles de psy. Côté médecin. Niveau 3. Punaise, il manque pas grand chose chez les médecins. Sérieux. Mettre un truc bien. Un petit peu. Le chien. On va mettre un chien. Tiens. Voilà, niveau 4. Niveau 4 partout. Tac. Pas niveau 4 lui ? Je ne sais plus. On vérifie, attendez. 4. 4, 6, c'est bon en fait. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Oui, si tu veux. Allez, go. Ah! La troisième étoile. Déshumorificateur 3 et fatigo. Bon, le truc de cardio 3. Vous avez prouvé que vous étiez capable de cultiver le potentiel de vos employés, ce qui n'était pas franchement une mince affaire, et maintenant il va falloir reproduire ce miracle dans un autre hôpital. Mais... Et on a gagné de l'argent. Parfait. Alors... Je pourrais m'arrêter là. Mais je vais continuer un tout petit peu. Enfin, quand je dis un tout petit peu, des fois ça dure 2 heures. Je vais mettre toutes mes salles de généraliste au niveau 4. Donc on vérifie. Normalement, c'est bon. Toutes mes salles de généraliste au niveau 4. Ah, mais elle est déjà niveau 4, hein. Bah, elles étaient déjà niveau 4. Sérieux? Moi, j'ai mis des posters de chien pour rien, mais c'est pas grave. Je vais ajouter des salles de psychiatrie parce qu'elles sont en PLS. Mais complet. Une. Deux. Maintenance announcement. Toilets. Trois. Routine services.
J'aurais pu copier une qui était au niveau 4, mais non, il fallait que j'en copie une qui n'est pas du tout au niveau 4. J'arrive plus à savoir si elles sont du bon niveau ou pas. Pause. Si, elle est au niveau 4. Et non, pas celle-là. J'arrive plus à voir quand le niveau 4 passe, au secours. Ah, mais c'est bon en fait. Oui, c'est bon. Ok. Recrutement de docteur. Je sais que j'ai pas mal de psy. Ce docteur, il a inventé un tout nouveau genre de ragoût. Petit clin d'œil à Yumi. Une nouvelle urgence médicale. Allez. Maintenant, on va déplacer les bancs qui prennent de la place. Voilà. Côté accueil, on est à 6 ici. Faut que je fasse encore un autre accueil. J'ai presque envie de le faire là, mais... Allez, les mêmes prix que l'année passée, sauf le zéro mort. La valeur de l'hôpital a baissé. Pourquoi? Pourquoi la valeur de l'hôpital a baissé? J'ai un bâtiment en plus, des docteurs et tout. Je sais pas. Bénéfice, le bénéfice en chute libre. Taux de guérison, ça va. Réputation, 95%, ça c'est très bien ça. Et morale du personnel à 72%, c'est pas mal. Il faut vraiment que je fasse un nouvel accueil. C'est pas possible de laisser ça comme ça. J'ai besoin de faire un nouvel accueil. Donc, tant pis. Je fais des accueils n'importe où, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Psychiatrie, oui, si tu veux. Je crois que j'ai jamais eu autant de salles de docteur. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, peut-être. Sur la partie en stream, c'est la première fois que j'en ai autant, mais sur mes parties perso, je sais pas si j'ai déjà atteint autant. Ah, le quatuor, c'était sur ça que ça avait bugué la dernière fois. Ah, mais c'est bon. Urgence, il y a le gyrophare dessus, c'est bon, ça va. Oh mon dieu, le guérisseur du patient qui a augmenté d'un coup. Par
Par contre, le quatuor en urgence, là, va falloir s'en occuper vite. Hein. Genre, urgence, c'est censé être prioritaire, en fait. Allez, validez les 10 patients, nickel. Oh punaise. Il y avait un patient bloqué sur la porte quoi, sérieux. J'aimerais bien voir un patient en urgence chez le psy mais ça veut pas. Il y a trop de gens qui vont chez des psychiatres. Ils vont jamais guérir hein, les patients là. Ils en ont eu marre, ils ont changé de banc sur en urgence. Oh mince, ça, ils arrivent pas à accéder ici. Ils arrivent pas à accéder à la salle. Alors attends, 2 secondes. C'est la bibliothèque qui gêne, c'est quoi? Bah non, ça rentre là. Bon, je sais pas, c'était peut-être le bon, j'en sais rien. 4 gyrophares toujours, hein. Ah, premier gyrophare, attention il va passer. Si c'en est un. Ouais c'en est un. Allez, aidant. Il a faim. Vous ne devez pas vous promener en étant une star dans la rue. D'accord monsieur. Les profits sont pas ouf. Hein. Voilà. Allez, aide. 1 sur 4. Ah, il y en a un deuxième là. 2 sur 4. Il y a espoir. Ou pas. Ou pas. Peut-être 3. 3 peut-être. 4, je sais pas. Ah, formation, traitement, oui. Voilà. On retourne chez les psys. Il a été validé ou pas? Oui, il a été validé, il en manque un. C'est pas la bonne salle. C'est pas la bonne salle. Je suis où? Je suis perdu. Ah oui, c'est de l'autre côté. Où est le quatrième? C'est fini. 3 sur 4. Bon, tant pis. Ah, il est là. Profit en baisse, encore une fois. Profit en baisse. Bon, maintenant, pour vous dire, défi de formation, promotion, guérison, c'est pour jouer avec des gens en ligne ou en mettre en parallèle d'autres parties. Ou mettre en parallèle des gens en contact sur ma... enfin, des amis qu'on a sur la Nintendo Switch, là en l'occurrence sur la Nintendo Switch. Et c'est pour gagner un peu d'argent, voilà, c'est... mais c'est pas énorme. Donc, un défi, gagner 400 000. Ouf, 400 000. 400 000.
J'ai l'impression d'avoir tout le temps besoin de salles de psy et de médecins, je comprends pas. Tellement la galère chez les médecins. Bon, côté agent d'accueil, ça s'est calmé. On jette un œil aux machines. Côté psy, ça s'est calmé. Mais chez les médecins, c'est la galère, quoi. Comment ça se fait? C'est une salle niveau 4, ça? Non, c'est même pas une salle niveau 4, sérieux. Par contre, pour les 400 000, ça va être compliqué. Hein. Et niveau 4 ? Oui. Je vais encore recruter des médecins, hein. Tant pis. Guérissez 7 patients de marmitettes. Oh non. J'arrive, les marmitettes. Marmitettes, punaise. Bon, quoi qu'en vrai, 7 patients, ça va être difficile. Hein. 7 patients. Bon, on va mettre du boire et manger ici. Voilà. Tu veux, si tu veux, allez, tiens. Une formation. J'ai 21 docteurs et ça suffit pas. J'ai 21 docteurs et ça suffit pas, quoi. Au secours. J'ai envie d'acheter l'autre bâtiment encore. Attente trop longue. Mais j'ai tellement de médecins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne?
Allez, on en a guéri un, c'est pas mal. J'ai presque envie exceptionnellement de vendre un truc comme ça, là. Et la remplacer par ça, mais bon. Le temps que le docteur se bouge. Allez, un échec, punaise. Je vais réussir à en sauver deux, quoi. Ouais, ça sera deux. Guérison 2 et la fin de la sixième année, voilà. J'ai perdu un prix, hein. Mais bénéfice, c'est vraiment pas... ça commence à être compliqué là, c'est pas ouf. Le reste ça va, la valeur de l'hôpital repasse au-dessus du million, on va comprendre, mais les bénéfices c'est pas ouf. Par contre, il y a un truc que je me souviens que j'ai pas fait. Accélérer la décision du traitement, oui. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début de ce niveau, j'y ai pas pensé. Bon. Deux des sept patients déçus. Bon, concernant les agents de maintenance, j'en ai 5, mais j'ai les machines qui galèrent de plus en plus. Non, je vais pas en recruter d'autres. Passé 90 jours sans décès, je l'ai accepté, la mission, mais bon. Pas confiant. Pas confiant du tout. 8 sans salle commune ici. 9... Oh punaise. D'accord. D'accord, pour la salle commune, j'y accède. Je sais pas, j'ai mis un banc là, mais je sais pas où le mettre. En vrai. Et 21 docteurs pour 9 infirmiers, c'est n'importe quoi. Nul. Pourquoi pas. Cher. Nul. Nul. Pourquoi pas. Nul. Nul. Bon, mais ça sera toi. D'accord. Petit coup de pub de réputation, mais bon, c'est pas suffisant. Je sais pas pourquoi j'ai laissé le banc là, en vrai. Le banc. Normalement, en vrai, pour une salle commune, les gens ne devraient pas trop attendre. C'est y rentre, ils attendent directement là. 90 jours sans décès, quoi. Au secours. Nouvelle formation. Je vais en mettre qu'un seul pour le moment. C'est la salle commune, encore. Donc j'ai bien fait d'en avoir d'autres, quoi. Au tout début, quand j'ai pris le jeu en main, hors stream sur ma partie perso, j'avais fait une énorme salle commune avec plein de lits. Sauf que c'est... je pensais que je pouvais avoir plein d'infirmiers dans une salle commune. En fait, non, il y a un infirmier. Donc il vaut mieux avoir plein de salles communes avec moins de lits, et plutôt qu'une seule avec beaucoup de lits, quoi. Et ça sera pareil avec une autre salle qui y ressemble dans un niveau suivant. Vous verrez. Raté pour les sans décès.
Enfin, pour les pas de décès, parce que sans décès, ça fait beaucoup de décès. J'ai vraiment l'impression d'avoir un manquement d'agents de maintenance, quoi. Psychiatrie pour le canard freudien. Ils sont pas encore arrivés. Il y a 10 jours qui sont passés, ils sont toujours pas arrivés. Sérieusement? Ou alors ils sont partis à Pétaouchnok? Il n'y a pas de gyrophare. Pas de gyrophare. Ah, ils sont là. Ils arrivent que maintenant, quoi. Ils arrivent alors qu'un tiers du temps est passé, sérieusement. Ils vont sur les salles de psy qui sont les plus demandées, bien sûr. Vous pouvez pas aller dans celle du fond. Ah là là. Je sais même pas si je vais en guérir un seul, là, vu tout ce qu'il y a. Augmenter les machines, c'est vrai. Je vois 3 gyrophares, il est où le quatrième? Non, c'est bon, je le vois. Ils sont tous là. Les 4 en urgence sont ici. Il n'y en a pas un seul qui va être pris en charge. Ou alors j'achète l'autre bâtiment et je mets que les psychiatries dedans, j'en sais rien. Mais... guérissez 10 patients, oui. Ah, un premier en urgence qui passe, cool. Mais il aura pas le temps de s'installer. Enfin bon, il s'est installé, mais il aura pas le temps de guérir. Vite. Non, trop tard. Bon, par contre, les 10 patients, ça a été très très vite. Hein. Mais ça, malheureusement, bon, bah tant pis. Bon. Sauf s'il y a une quête d'urgence ou de défi qui est demandé, je finis cette année-là du jeu et j'arrêterai. De toute façon, les 3 étoiles sont arrivées. Difficilement les 3 étoiles là. Mais il y a personne qui vide les poubelles. Elles sont toutes pleines. Toutes les poubelles sont pleines. Allô. Bon. Et en plus il y a quelqu'un qui veut démissionner. Génial. Voilà. C'est réglé. Je vous tends un œil à ces récompenses là. Enfin ces récompenses. Pas que des récompenses. Hein.
des bandes, des distributeurs. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On a 415. Le jeu d'arcade est à 500. J'aimerais bien avoir un jeu d'arcade. La démission a été annulée. Très bien. Le présentoir à revue. Pourquoi pas? Je préfère les bibliothèques. Une sphère aquatique. Aquatique. C'est juste un aquarium en fait. Hein. 400, 400, 400, tout ça c'est à 400. Le monocirque pour les monobêtes. Ouais, bon, on verra. On achètera de nouveau des choses la prochaine fois. Hop, top, non, non, ça on achète. Tableau d'affichage, on achète. C'est bien ça. Et d'autres posters à acheter ou pas? Oui, bah, le chat, bien sûr. Allez, le chien, j'ai pas assez. Les montagnes, allez, si tu veux. Et j'ai plus d'argent de toute façon. À part si pour ça, mais. Quel intérêt. À quel niveau il y a des choses qui augmentent hein. Là, ça, c'est des lunettes VR. Et un attrape-rêve. J'aime bien les attrape-rêves. Ok, bon, que nous dit-on? Encore de l'argent. Où est le ministre? Apparemment, le ministre arrive en déplacement. Est-ce qu'on voit une couronne quelque part? Ah. Les accueils sont débordés. Non, il n'est pas encore arrivé. Ah, il arrive, il est là. Je crois. Non? J'ai cru voir passer une couronne. Où est le ministre? Le ministre a disparu dans l'hôpital, au secours. L'hôpital est dégueulasse, punaise. J'ai vraiment besoin d'agents de maintenance. Pourquoi l'hôpital est si dégueulasse? Ils sont tous formés pour être pour faire du propre. Nul. Nul. Lui est cher. Une urgence en psychiatrie, tiens donc. Et des monobêtes. Oh, les monobêtes. Oui, j'arrive. Oh punaise, il y en a plein. Mais... Combien? Il m'en manque une. Elle est là. Je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Punaise, elle est trop proche des salles. J'arrive pas à la voir. Il m'en faut une autre. C'est dégueulasse comme hôpital. Voilà, c'est bon, c'est fait. Les monobêtes, c'est fait. Bon, l'urgence en psychiatrie, elles sont tous là. 4. 1, 2, 3. 3 gyrophares. Où est le quatrième? Il est ailleurs. Même pas. C'est encore la PLS en psychiatrie là? Les médecins ça va mieux, j'ai l'impression. Sérieux, c'est encore... Finesse, pardon. Bon bah on achète. Hein. Et faire un bâtiment qu'avec des psychiatries, tant pis. Hein. Les mêmes récompenses. La valeur de l'hôpital, punaise, 2 millions, ah oui. Ah, les bénéfices, c'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Et le reste, ça va.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La sauvegarde. Bon, maintenant il faut réfléchir correctement. C'est un bâtiment très étrange. De par sa forme. Tous d'être augmentés là. Bah oui, 0 sur 4 évidemment. Il y a tellement d'attentes ici, il y a même des patients dans les salles, je vais pas les virer. C'est bon, il bouge. Ok, c'est bon. Je prends. Là, comment est-ce que je peux faire? Et ça laisse un passage. Mais ça me plaît pas en fait. Je préfère faire ça. En vrai, attendez, on va pas s'embêter. Hein. Tac. On ira vendre les autres. Un peu d'argent, on en profite. Oula, par contre, la chute de l'argent. Oui, mais il y a eu les salaires. Voilà. Alors, là, il y a une salle qui est dispo. Je la prends avec moi. Ouais, on fait ça. Hein. Allez, toi, c'est fait. Je modifie la salle, je la prends avec moi. Je la mets là. Les bancs. On fait ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh. Bon, bah oui, vas-y, tiens. Voilà. Clinique du rire niveau 4, j'arrive. C'est de l'autre côté, ça. Ça va être des posters de partout, encore. Il y a le clown ici ou pas? Non. Eh bien, ils vont tous avoir des tests de vue, voilà. Rigolo. C'est l'humour de dire c'est absurde. La salle, elle a pas besoin de ça. Ah, encore un. Voilà. Allez, ça c'est fait. Retournons à ma psychiatrie. Ces trois-là, je vais les laisser. Là. Désolé, je l'enlève. Tac. Et là, eh ben tant pis, je vais la mettre là. Voilà.
Qu'est-ce qu'on veut? Un assistant. T'es formé à rien? Ok. Non, non, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, du divertissement. Le téléphone. Ah. Oui. Voilà. Ensuite, l'accueil ici, on va le bouger. Oh, la tente! L'accueil, on va le bouger. Et pour l'instant, je vais laisser ça ici comme ça. On sait rien en fait. Il faut que je mette des WC de l'autre côté en plus. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a fait caca par terre. Génial! Maintenant, les patients font caca par terre. Très bien. Ça, je dis, je vais laisser, ok. Donc, des poubelles, de quoi manger, des WC. Ah, mais là, ça leur fait faire un grand tour. Si je fais ça... Ouais, allez, je fais ça. Là, on va mettre à manger ici. Pourquoi il est inatteignable? Ouais. On va remettre un truc de soda. On va fondre dessus. Voilà, et maintenant la santé avec les poubelles. Qu'est-ce qu'on me dit? Des blocs stars, psychiatrie, 40 patients. Ouh, 40 patients. 40, je sais pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 12 salles de psychiatrie au total. 13 même. 4, 7, 10, 13, ouais. Oula, je dois augmenter de beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, le divertissement, les bibliothèques. On va y mettre la photo. On va y mettre le manège. Quoique. Si, ici, il y a de la place pour le manège. Deux photos. Voilà. Et là, j'en sais rien.
Et là, en vrai, il y a... Oh, la batterie, tiens donc. Il y a moyen de faire une salle commune, mais le problème, c'est que la salle commune d'ici, il faudrait que j'inverse la porte. Bon, en gros, faut la refaire de zéro, quoi. Bon, pour l'instant, on fait comme ça. L'urgence du quatuor, elle est où? Ça voit pas. Ils sont peut-être pas encore arrivés. Ça libère de l'espace quand même en vrai. Là, j'ai quand même permis de fluidifier la circulation, je trouve. Enfin, j'espère. Ici, ça reste un peu le bordel. Là, ça va à peu près. Là, j'ai l'impression que ça va à peu près. Même si c'est étroit, ça va. Et là, c'est pas mal. Mince, j'ai pas vu combien j'en avais. Bon, c'est pas grave. Où sont les urgences couture? Je les vois pas. Aveugle ou bien? Je ne sais pas où elles sont. Je sais pas. Bon, j'ai encore besoin de désamplifier tout ça là. Les icônes rouges, ça me rassure. Salle commune, ouais. Par contre, j'ai pas beaucoup de grand monde formé pour les salles communes. Donc, autant en profiter. Et le quatuor, je sais pas. Hein, vraiment en urgence. Là, ils sont censés être déjà dans les parages. Je les vois pas. J'ai l'impression qu'ils ne sont jamais arrivés. Ah, problème de machine, j'arrive. Non, là ça va. Attends, deux secondes, d'abord les machines. Non, là ça va. Réparation. Là, ça va. En vrai, des machines dans cet hôpital, j'en ai pas tant que ça. J'ai les deux diag, les deux pharmacies. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Les deux cirques et la casserole. Voilà. Bon, le quatuor, c'est un échec, hein, clairement. Oh, mais je pourrais mettre une salle de repos dans l'autre truc là-bas. Waouh, tous les... Oh, l'étoile montante est revenue. Cool. L'hôpital a... Oh mon dieu, la valeur de l'hôpital a beaucoup augmenté. Les bénéfices, ah, je suis un peu plus content des bénéfices. Okay.
Réputation, ça va. Morale du personnel, c'est... ça va. Ça pourrait être pire. La sauvegarde. Merci. Est-ce que je mets une salle de repos? Non, il n'y a pas la place. 800 000, punaise. Le maire est quelque part. En psychiatrie. Donc là-bas. Est-ce qu'il y a un PNJ avec une couronne sur la tête quelque part là? Ah, il est là. Voilà, on va se mettre en focus sur le personnage. Ah oui, 4 tueurs 0 sur 4, mais ils sont même pas arrivés dans l'hôpital. Je m'étonne qu'ils soient à 0 sur 4, quoi. Il y a un patient dedans, en fait. Hein. Je sais pas si... ça dérange pas. Waouh, c'est génial. Devant les appareils photo. Alors, il y avait un autre passage que de passer à travers les bancs, en fait. Il y a une allée centrale, c'est fait pour. Ça a l'air d'être ok. Ah, il y a un décès à côté. Ça, c'est pas cool. Bon, la personne s'en va. Elle retourne en salle de psychiatrie. Et le million est passé. Hein. Un million d'argent. Mon Dieu. Je vais aller dans quelle salle? Elle est fermée, celle-là. Elle rentre quand même. Okay. Et elle retourne en pharmacie. C'est un aller-retour pour rien, ça, quand même. C'est pas logique comme déplacement. Tu prends ton plan de la salle, je sais pas, tu demandes le plan des bâtiments, et comme ça t'évite de faire des allers-retours. Généraliste 2, il n'a pas énormément de formés. VIP, je l'ai perdu de... Allez là. Ah, elle veut aller au WC. Très bien. Mais lesquels? Est-ce qu'elle va la refaire demi-tour? Allez, génial. Bah, les accueils ici sont très mal placés. J'ai presque envie de les virer et de les mettre dans ce bâtiment là. Bon, je pense qu'on va faire ça.
ça bloque le passage ici, c'est pas bon. Oh mon dieu, toutes les monobêtes. On va mettre un accueil là. Symétrique. Voilà. Et oh mon dieu, toutes ces monobêtes, ça fait peur. Et on va mettre un accueil. Là. Voilà, ici il y a des accueils. Pas mal. Et là, ça me libère de la place. Un peu. Donc, je vais bouger ce canard. On va le mettre là. Je vais bouger ce... Ok, après. Là, l'urgence à la clinique du rire. VIP content. Voilà. Vide. Cet agent d'accueil, j'ai l'impression que cet agent d'accueil est puni. Mais bon. Bon, 7 urgences en clinique du rire. En dessous et j'ai bien perdu de l'argent. Bah, pourquoi vous mettez là les clowns? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent là? Il y a des bancs là quand même. Il y a beaucoup de monobêtes, ça me dérange. Faudra y remédier. Ah, problème de machine. Objectif de carrière sans fantôme capturé. Cool. Un coup là, ça me fait faire des cudoches en plus. J'en ai guéri qu'un seul sur les 6 là. Deux. Sur les 7 en plus, c'est pas 6, c'est 7. Traitement, oui si tu veux. Allez. Ouais, bon c'est pas grave. On repasse la barre du million. Guérison 3 sur 7. On va bien avoir le petit 4. Un petit 4, vite. Je sais pas si ça suffira. Cool. Pile à temps. 4 des 7 patients. Ça va. Ça aurait pu être pire. Les patients en urgence restent quand même, hein. Ils vont quand même se faire soigner, même si le défi, le timer du défi est terminé, ils se font quand même soigner. En espérant qu'ils se fassent soigner, surtout enfin, qu'ils guérissent, c'est autre chose. Thank you.
Batterie faible, oui, je sais, je sais. Bon, pour les clowns, je pense que c'est fait. Le dernier est là. Ok. On peut déplacer un patient dans la salle d'attente d'une file d'attente à part du panneau. Sérieux ? Mais je le... Mais il fallait me le dire avant. Genre, je clique ici. Disons, modifier le plan de la liste. Non, c'est pas ça. Bon, bah, du coup, j'ai viré tout le monde. Une salle avec des gens. Quoi ? Modifier les objets de la salle, le plan de la salle. Que ? Comment je... AY. Donc si je fais ça... Oh, si j'avais su avant. Bon, on retient pour les urgences, hein. On retient. On retient. J'aime bien ce bâtiment. Il est carré. Oh là là. Allez, le personnel qui râle. Voilà. Tout le monde est augmenté. Et le bonheur va augmenter tout seul. C'est pas bête en vrai l'idée que j'ai fait de mettre les accueils là comme ça. Il manque encore de médecins. Ah non, mais je les avais envoyés à formation. Et ça c'est fait. Non, encore un VIP. J'ai pas besoin de réputation, tant pis pour les cadeaux. La monnaie en cas là. J'ai juste le dernier défi avec cette dernière année. Allez. C'est possible, on peut le faire. Que j'ai un doute maintenant. Verdict de cette nouvelle année qui vient de s'écouler. Tous les prix pareils, sauf le mort. Bon, voilà. C'est pas mal. La valeur de l'hôpital s'approche de 3 millions. Les bénéfices sont un peu baissés. Taux de guérison, je crois que ça a un peu baissé, il me semble. Réputation, bon voilà, ça n'a pas bougé. Morale du personnel, c'est... Ouais, c'est stable à quelques pourcents. Voilà, tout ce que j'ai à dire. La sauvegarde. Est-ce que les 400 000 seront atteints? Il reste 84 000. 77 000. 52 000. En vrai, je sais pas. Je pense pas. 42 000, 35 000, 30 000, 29, oui bon 30 000, ouais, parce que c'est 26 000, 17 000, validé, il est passé, validé, plus 40% de bonheur, waouh, bien voilà, 1 200 000, pause avant que je me lance dans une nouvelle urgence, on sauvegarde et on s'arrête là.
Ça fait... Oh punaise, ça fait 3 heures de stream. Punaise, au secours. Ok. Bon, le temps que ça sauvegarde bien, qu'on retourne à la carte. And so another day begins in Two Point County, where students at the Mitten School of Medicine may soon be able to practice on actual living people. Any budding doctors should remember that gluing heads back on to accidentally decapitated patients is all very well with dummies, but there are no do-overs in real life. It's easy to get lost around the tumble, and it's even easier to fall down. That's why authorities recommend only seasoned climbers and hikers visit this beautiful region of Two Point County. Or at least people with good health coverage. The rest of us will have to make do with a postcard. Donc là, on vient de voir les deux hôpitaux que j'ai accès maintenant. Il va falloir en choisir un plus tard, au prochain stream Two Point Hospital. Man attendant, petite lettre. Cher directeur de l'hôpital, j'aimerais que vous utilisiez Remix, aussi appelé rendu d'environnement médicaux intrigant X. C'est un logiciel capable de simuler la gestion d'un hôpital. Blablabla. En gros, je vous résume ça, tout simplement. Ça veut dire, voilà, maintenant vous voyez une petite étoile grise qui vient d'apparaître au-dessus des niveaux déjà faits qui ont 3 étoiles. Je crois que même qu'à partir d'une étoile, ça suffit. Hop là. Ça veut dire que je peux recommencer un niveau avec de nouveaux défis pour avoir cette nouvelle étoile bonus. Et voilà, c'est des défis à difficulté plus élevée. Donc la prochaine fois, on aura accès à... je viens d'ici, moi. Oui, moi, je viens de Fluttering. Ça, c'est le suivant. On aura accès à Mitten University et Tumble. On va en choisir un des deux. Et l'autre sera la fois prochaine. Alors, la carrière, on a des choses à récupérer. Parce que les 10 millions ont été atteints, il y a 250K qui avons dans la banque. Il y a réparer des machines. Il y a 100 toilettes. Il y a 100 distributeurs réapprovisionnés. Il y a capturer 100 fantômes. Il y a 20 membres du personnel. Et il y a guérir 1000 patients. Par contre, former en 5. Il n'y a pas le personnel 5 là? L'assistant, je les ai mis en 5. Bon, c'est pas grave. Résultat, j'ai un petit total de 1355K. Et ça, c'est chouette. C'est très chouette. Bien. Ah, c'est pas fini. J'en ai raté. Bah, je l'ai pas récupéré celui-là, tiens. Ah bah oui, mais non, j'ai récupéré des cas, ça m'a validé celui-là, parfait. Ok. Bon. Le temps d'aller au menu. Et de sauvegarder de nouveau. Le temps pour moi de vous dire merci d'avoir suivi, merci pour les follow. Je vous retrouve comme tous les jours sur Pokémon Unite en ce moment. Il y aura d'autres streams Two Point Hospital aussi, je sais pas quand. Il y aura du Borderlands avec Draken, il y aura d'autres choses. Suivez bien sûr la chaîne si ça vous chante. Et ça nous fera très plaisir avec tout le groupe. Il y aura une nouvelle aventure qui commence la semaine prochaine. Pour l'instant, je ne vous dis pas quoi. Allez sur YouTube, faire vos sessions de rattrapage si c'est pas fait. Rejoignez le Discord. Et vous récupérerez gratuitement chaque semaine des jeux. Et oui, on peut faire ça pour vous. Donc profitez-en. Pour ma part, je vais aller me coucher. Prenez soin de vous et comme ça a été très bien dit dans le chat par Wedios et par Robert, à très vite, cordialement, bisous.